à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très simple, la prochaine présidentielle en 2027. Car on est déjà en 2027, les médias nous préparent le terrain avec un affrontement entre, par exemple, Édouard Philippe face à Marine Le Pen. Si on sent qu'Édouard Philippe, c'est pas bon, on cherche quelqu'un d'autre. Donc vous avez deux ou trois autres candidats potentiels. Vous avez le nouveau ministre de l'Éducation, là, Gabriel Attal. Vous avez évidemment les spécialistes, les habitués, ceux qui voudraient y être mais qui n'arrivent jamais à se déclarer, comme Bruno Le Maire ou Darmanin. Et au pire, on ne sait pas si Macron ne va pas trouver un subterfuge pour pouvoir se représenter. Serait-il même capable, et c'est pas une blague, de présenter son épouse pour lui succéder? Il serait capable. Donc tout est possible, tout est ouvert. Alors c'est très pénible parce qu'on nous rabat les oreilles de cette chose qui n'est pas intéressante. Pourquoi elle n'est pas intéressante? C'est très simple. Premièrement, personne ne sait qui sera candidat au bon moment. Donc ça ne sert à rien de phosphorer ou de faire des sondages à la noix pour nous dire que Marine Le Pen n'arrête pas de monter pendant que les autres descendent, et nous préparer la peur du loup au bon moment pour que toute la gauche, comme par hasard, comme par enchantement, se retrouve derrière le candidat qui sera éventuellement final contre elle, et ainsi de suite. Donc tous les autres n'existent plus, on n'a plus. On ne reste qu'avec deux candidats qui ne sont même pas encore déclarés, parce que Marine Le Pen, elle, risque d'avoir un petit souci, c'est avec son nouveau président, la Bardella, qui est en train de lui bouffer le parti, mine de rien. Je ne suis pas sûr qu'au bon moment, tout se passe correctement entre eux. Parce que vous savez très bien que les rivalités d'ego sont les plus importantes en politique que tout le reste. Alors, en même temps, pendant ce « en même temps » qu'il adore, ce Macron, on ne parle plus de rien d'autre. L'économie, on n'a plus de chiffres. Le chômage est reparti à la hausse, les faillites explosent. Alors, je ne vous parle même plus de l'insécurité, parce que là, on a dépassé tous les points rouges qu'on avait mis en disant qu'il ne faudrait pas que ça dépasse. C'est fait, c'est bon, on est au top du top. Et on a aussi quelque chose d'extraordinaire, on n'en parle même pas, ce sont tous les problèmes d'immigration, parce qu'on nous prépare un plan qui ne servira à rien. C'est leur spécialité, les plans qui ne servent à rien, c'est maintenant en politique quelque chose de formidable. En fait, c'est un peu comme les pubs qui sont indigestes, avec des espèces de dialogues vraiment complètement grotesques, et la politique n'échappe pas à ce régime du marketing nouveau. C'est-à-dire qu'on vend du vent, on nous prépare à accepter n'importe quoi. En fait, on est un peu comme le malade qui se rend à l'hôpital et où l'anesthésiste l'attend pour lui mettre sa piqûre, pour l'endormir. Et le client est donc passé un peu... Passez-moi l'expression, le client, on le détend. On le détend puisqu'on va l'endormir. Et il accepte et il s'endort. Et une fois endormi, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a du mal à se réveiller ou il ne se réveille plus. Dans le cas de la politique, c'est clair, plus personne quasiment n'est réveillé. On assiste aujourd'hui à, en fait, un show. C'est le Macron show ou le show bobard ou ce que vous voulez. Qui consiste à dire n'importe quoi sur n'importe quoi, parce qu'il faut avoir un avis sur tout, c'est-à-dire même sur les escargots qui sont en train de grimper la colline, et tout cela permet à un pouvoir qui est complètement à côté de la plaque de se maintenir tranquillement, puisqu'il a quand même été réélu, ce Macron, alors que franchement, avec son bilan, on aurait dû le jeter, en lui disant « va-t'en, va-t'en, on ne veut plus de toi ». Eh ben non. Donc en 2027, puisqu'on ne nous parle que de 2027, je dis aujourd'hui, en 2023, 4 ans avant, à peu près, 3 ans et demi, 4 ans, quoi, je dis, eh bien, le candidat de Macron, vu ce qui se passe en face, sera réélu. Alors évidemment, il ne fera pas
il se voit, il fera juste qu'il faut, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum, je crois, je ne suis plus très sûr, mais je pense que c'est ça, de 12%. Il aura les 12% des inscrits, 12% plus une voix, et il sera élu par défaut, en quelque sorte. Mais il sera élu. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Rien, comme d'habitude. En fait, je pense aujourd'hui que si on veut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on se réunisse vite fait, qu'on crée un parti, je ne sais pas de quel nom, quelle appellation, ça n'a aucune importance à la limite, mais un parti de gens décidés à vouloir que la France reste la France. Voilà, c'est tout. Le reste, on s'en fout, parce que le reste, de toute façon, il n'y en aura plus de France. Hein? Il faut le savoir. Autrement vont les choses, là, avec leurs espèces de lois bidons sur tous les sujets, il n'y aura plus rien. La maison est en train de brûler, mais elle brûle sévèrement. D'ailleurs, en fait, une maison qui brûle sévèrement, elle finit par ne plus exister. Voilà. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais m'énerver. C'est pas bon pour moi. Et comme je le dis souvent, même à chaque fois d'ailleurs, on est mal, on est même très mal. À bientôt. Merci. Au revoir.